Je suis sortie de chez moi et je me suis rendu compte qu'il manquait vraiment quelque chose autour de ma maison. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire? Puis en cherchant bien, j'ai trouvé un terrain libre juste à côté de chez moi et je me suis dit que j'allais faire un bar à chats parce que oui, j'adore les chats. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va construire un bar à chats sur Minecraft juste à côté de ma maison. Ma petite maison qui est juste ici et la pauvre, elle est toute seule, il n'y a rien à l'horizon. Donc on va faire le bar à chats juste ici et je pense que ça pourrait vraiment très très bien rendre. Ce que j'aimerais bien, c'est que partout autour de chez moi, il y ait des constructions que je fasse en vidéo qui soient vraiment très cosy, esthétique, tout ce que vous voulez. J'espère que ça va vous plaire. Donc pour commencer le café, je vais déjà délimiter un terrain. J'avoue que je sais pas trop sur quoi partir, j'ai tellement plein d'idées en tête. On va déjà essayer de délimiter la taille du café. Alors oui, par contre, j'ai un pack de textures qui va pas du tout avec ma version, je crois, donc ça fait quelques petits bugs, mais c'est pas très grave, je trouve pas ça trop choquant. Alors j'aimerais bien faire quelque chose comme ça, je sais pas si ça va être vraiment assez grand. On pourrait peut-être encore agrandir un peu, je pense. Ok, on va monter par là, là je pense que c'est pas mal. Là, je pense qu'au niveau de la taille, ça peut être bien. Je pense faire la porte ici, dans ce coin-là. Bon, pour l'instant, c'est qu'un début. Je sais pas trop encore sur quoi je pars, mais j'ai quelques petites idées en tête. Déjà, je voudrais que le bar à chat, il soit rose, bah, parce que c'est ma couleur préférée. Donc voilà, je ne vois que le rose pour être bien kawaii et tout. Ou alors bleu clair, je sais pas encore en fait. Je suis un peu mitigée, je sais pas trop encore sur quoi partir. Peut-être bleu clair, ça pourrait changer un peu parce que bah, le rose, on s'y attendait un peu en fait. Bon, déjà, ça rend comme ça de l'extérieur. C'est pas trop mal, il y a un petit arbre qui nous gêne. Mais peut-être qu'à la fin, ça pourrait faire pas mal, je pense. Au niveau des murs, je sais pas si je vais utiliser du bois ou de la concrete. Je sais pas encore. À vrai dire, je pense que j'aurais bien utilisé le bois rose, mais je l'ai pas dans cette version malheureusement. Ça aurait été vraiment très joli, mais c'est pas grave. Je pense que le bois de jungle pourrait très bien rendre ici. Ouais, je sais pas trop, je sais pas trop encore. Je vais essayer d'utiliser des palissades, ça peut être bien. Ouais, c'est cool les palissades, ça change un peu, ça fait pas des fenêtres. Mais je pense que je vais quand même mettre une fenêtre ici. Là, on va mettre une palissade tout le long. Oh, j'aime bien, je trouve que ça donne un petit style très sympa, très cosy, j'aime beaucoup. Ok, ici de deux et comme ça. Ouais, c'est pas mal. Oh, regardez, ça peut même faire un petit contour. Eh, là j'aime beaucoup ce que je fais, je trouve que ça rend bien. Très très joli, c'est très mignon. Oh ouais, c'est trop mignon, j'aime trop. Je vais en placer ici et après on mettra des fleurs. Je sais pas si je les mets à cette hauteur ou devant comme ça pourrait être pas mal. De cette couleur, ça me plaît bien, comme ça tranche un petit peu. Bon, de toute façon cette partie, on y verra après. Moi ce que je cherchais, c'est des toitures. Voilà, je les ai trouvées. Je pense que je vais prendre cette toiture là. De toute façon, je pense pas qu'il y en ait d'autres qui m'intéressent. J'avoue que j'ai pas regardé tout ce que j'avais dans mes mods. J'ai à peu près des mods totalement au hasard. Je pense pas faire un cimetière, hein. Ça m'a un peu dénoté. Ah c'est bon, je l'ai trouvé, parce que franchement j'ai pris ce pack seulement pour ceci. Je me suis dit que ça rendrait trop bien. Dommage qu'il est en blanc et pas d'une autre couleur, mais ça rend bien. Oh, mais même ça, c'est... Oh, oh là 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 là, c'est trop mignon. On pourrait même mettre un étage à l'intérieur, du coup, avec ça. Un étage qui pourrait partir ici. Je pense que c'est une bonne idée. Avec, je pense, on va faire une terrasse à l'étage. Bon, allez, il faut peut-être que j'avance un peu. Au lieu de parler, il faut peut-être que je le fasse. Alors oui, aujourd'hui, je vous propose une vidéo très chill. Pas du tout envie de me prendre la tête dans cette vidéo, je parle pas trop fort. Voilà, franchement, on est trop chill et c'est très bien, ça change un peu. Alors ouais, je mets ça comme plafond et sol. Je sais pas si c'est une super bonne idée, je me suis dit que ça pourrait un peu changer. Je sais pas si c'est si c'est vraiment bien. Bon, on teste, hein. C'est pas grave, on verra ce que ça donne de toute façon. Ok, pour le toit, je pense qu'on peut démarrer. Enfin, le toit. Je veux dire l'étage. On va pas le faire trop grand. Je pense qu'on peut le faire sur cette zone. Ça peut être pas mal. Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on laisse ouvert et qu'est-ce qu'on laisse pas ouvert? Je pense que ici, voilà, on pourrait
peut-être faire un truc assez grand. Et là, on pourrait faire une sorte de mini mezzanine. J'aime beaucoup les mezzanines. Je trouve que ça rajoute vraiment un truc trop, trop chouette. Voilà, on pourrait la mettre par là. Quoique là, il n'y a pas, peut-être pas assez de place. Après, je sais pas si la mezzanine, elle va vraiment ressembler à grand-chose, là. C'est pas un truc de fou. Mais franchement, ça va. Ça peut aller. Bon, pour l'étage, je pense qu'on est pas mal. Je vais juste rajouter du coup un petit bout de toiture de ce côté-là. Je pense que ça peut être bien. Alors, c'est la première fois que j'utilise ces blocs. Je sais pas. Je trouve que ça tranche pas assez. On va trancher un petit peu plus. Je sais pas, ce toit, il m'inspire pas une grande confiance. Je pense que je vais pas partir là-dessus pour le toit. Je sais pas encore ce que je vais faire. Mais peut-être pour le dernier étage, pourquoi pas. Mais pour le premier, non, je trouve que ça va pas du tout. Pour le dernier étage, on peut peut-être essayer comme ça. Bon, pour tout vous dire, j'ai fait beaucoup de tests de toit et je viens d'avoir une idée qui pourrait être pas trop mal. Parce que vraiment, j'arrive pas à trouver une idée pour mon toit. Alors attendez, je pense que c'est une plutôt bonne idée. Je vais essayer ça avec vous. Mais comme ça, je trouve ça très mims. Oh non, c'est pas vrai qu'il se met à pleuvoir. Oh, c'est super sad. C'est pas grave, je trouve que la pluie n'est pas du tout dérangeante avec le pack de textures. Je me suis rendu compte que j'avais mis ça ici, mais c'est pas du tout en fait ce que je voudrais faire après. Donc on va enlever ça tout de suite. Là, on va mettre... Non, mais on va même pas mettre ça. Là, on va directement mettre... Alors attendez, j'ai une grande idée dans la tête. On va mettre, voilà, de là... de la laine rose. Je sais pas ce que vous en dites. Moi, j'aime plutôt bien. Ouais, c'est mignon, c'est mignon. On va faire pareil ici. Alors, attendez, comment on va faire? Comme ça et... Mais non, mais je fais n'importe quoi. Comme ça et là, en rose. Ouais, c'est trop chou, j'adore. Et franchement, c'est trop cute. J'adore, c'est trop mignon. Ok, à l'intérieur, on est bien. Alors ici, il faut juste que je rajoute une marche, enfin quelque chose, parce que je trouvais que l'escalier tout droit, ça rendait pas si bien finalement. Est-ce que si je mets la trappe... attendez, je vais voir s'il n'y a pas le bloc qui existe directement. Non, je crois pas qu'il existe. Qu'est-ce que c'est ça? Je n'ai même pas vu ce que c'était. Je découvre avec vous. Ah ouais, c'est mignon. C'est de la paille. Je sais pas à quoi ça va me servir là tout de suite, mais c'est mignon, j'aime bien. Faut bien découvrir des choses. C'est le but de cette vidéo. En même temps, je découvre des choses en même temps que vous. Mais ça, ça a l'air bien. Ça fait des sortes de petits murets. J'aime bien. C'est très cool. Ah ouais, c'est vraiment bien. Comme ça, il y a la limite. Là, on peut même mettre le bar. Ça me paraît... Il n'y a pas beaucoup de place. Disons qu'il n'y a pas beaucoup de place. Je dis ça, mais je sais pas. Je sais pas ce qu'on va mettre. Ça, on pourrait mettre ça pour faire des sortes de rangements. Mais alors, au niveau du comptoir... Bon, de toute façon, on n'est pas encore sur la déco intérieure. Mais j'avoue que je me pose déjà des questions. Par contre, ça, ça a l'air très mignon. Je veux essayer de voir ce que ça rend. J'adore. Par contre, il y a un petit espace. C'est très dommage. Mais j'aime beaucoup. Je trouve que ça rend très bien. C'est beaucoup dans le style que je recherchais. Je suis contente. Je suis très contente. Je trouve que ça rend vraiment super bien. Et pour les rangements, là, ça pourrait faire des rangements ici. Je sais même pas ce que c'est. Des stores? Qu'est-ce que t'entends par store? Est-ce que ça doit être des volets ou je sais pas quoi? Pour le bar, je n'ai aucune idée de ce qu'on va mettre. Alors là, on a dit que c'était des palissades. Faut voir ce que j'ai comme palissade. Ok, j'en ai plusieurs. Ça, c'est plutôt bien. Et je pense qu'on peut même commencer le bar avec la palissade comme ça. Ou alors en plus clair. Je sais pas. Mais ça me paraît très petit, là. Il y a très peu d'espace. Au pire, je m'embête. Mais j'ai des vrais comptoirs, pour le coup. Et ce serait peut-être... plus jolie. En fait, je trouve que ça manque cruellement de place là-dedans. Alors, je vais essayer toutes les méthodes possibles et inimaginables pour trouver où faire mon comptoir. Ça se trouve, je vais le faire ici, en fait. Franchement,
je pense que c'est mieux. Je pense que c'est un peu mieux ici. Et à la limite, bon, bah, de ce côté, ce sont les personnes qui travaillent ici. Donc, passer sous l'escalier, c'est pas très grave. Parce que sinon, je trouve qu'il n'y a pas assez de place, malheureusement. Ok, j'ai fait une très grande recherche de quoi mettre. J'ai beaucoup de choses. Je vais en installer peut-être dans le coin. Par exemple, ici, on pourrait mettre une machine à café. Ça me paraît pas mal. Des petits donuts, comme si des gens avaient commandé des donuts qui sont sur le comptoir. Ah non, mais ici, je mettrais plus quelque chose en glace. Ok, machine à café, on va se mettre là pour l'instant. Les donuts, on les a placés, les assiettes, je vais pas les placer finalement. On a pareil des petites tasses qui sont vraiment trop mignonnes. On va placer une tasse là, à côté des donuts, comme si la personne était déjà en train de prendre ça. Là, pareil, on va remettre un petit truc ici avec la machine à café. Voilà, et... qu'est-ce qu'on va mettre là? Une bouteille de lait? Oh, je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais, c'est pas mal. Ok, on va mettre des petits rangements en hauteur. J'espère que ça se place en hauteur, ça. Ouais, ça s'est pas du tout mis dans le bon sens. Ok, comme ça. Ça fait bizarre parce que c'est pas vraiment tenu. Ça me perturbe un peu, mais pourquoi pas? On peut placer des choses dessus? Oh, on peut pas? Ah, mais ça sert à rien alors. Ok, pardon, c'est un banc, j'avais pas capté. Ok, ça, on peut à la limite le mettre devant. C'est pas mignon, genre? Moi, je pense que c'est plutôt mignon. Ça, on va plus s'y mettre là. Ouais, là, c'est pas mal. Ok, on va éviter de placer des bancs pour en faire des étagères. C'est pas le but, du coup. Ok, là, on va placer des vraies étagères, du coup. Oula, là, c'est perturbant, par contre. Mais j'imagine que si je fais ça... ouais, non, ça va pas le faire. On va mettre une étagère. Oh, y a pas beaucoup de place, en vrai. Oh non, y a cruellement un manque de place. Et là, comme j'ai mis des dalles, bah forcément, ça colle pas. Yes. Hop là, personne n'a vu ce que j'ai fait. Personne n'a vu. Ne dites rien. C'est silence. C'est silence. On n'a pas vu. Je voulais mettre de la pastèque. Mais je sais pas si je vais avoir de la place de mettre de la pastèque. Au pire, comme ça, c'est déjà très mignon. Et au fait, on a oublié de changer le sol. C'est peut-être une bonne chose à faire. Changer le sol, ça peut être pas mal. On va mettre un sol. Alors ouais, j'ai tenté quelque chose là, mais ça va pas. Mais alors, pas du tout. Alors là, c'est trop répétitif pour le coup. Bah, c'est pareil, c'est trop répétitif avec le comptoir. Bon, j'arrive pas trop à me décider. Je voulais pas faire quelque chose de trop clair, mais en même temps... alors là, j'arrive pas à savoir si je trouve ça trop abusé ou si ça va. Je sais pas trop. Allez, pourquoi pas, parce que j'arrive vraiment pas à me décider. De toute façon, on va pas en mettre dehors, ça va pas le faire sinon. Hop là. Non, franchement, ça va. C'est pas si horrible que ça. C'est peut-être un peu violent sur le moment. Ok, ici, je vais mettre... voilà, comme ça, ici, ça fait comme des petites vitrines avec des pâtisseries. Même s'il n'y a pas de pâtisseries, il faut se les imaginer. C'est tout. Au niveau des chaises, je pense qu'on peut faire... on peut un peu alterner les fauteuils et les chaises. Ça peut être pas mal. Comme ça, par exemple. Et ici, on va juste mettre comme ça. Ça fait pas un peu... ouais, quand tu rentres, tu te prends la chaise... ça va pas. Moi, j'aime pas ça. Genre, j'aime bien qu'il y ait un peu d'espace quand même. C'est un peu mieux. Genre, au moins, tu te prends pas trop la chaise dès l'entrée. Ok, je préfère. On va remettre un siège là. Chaise ici. Ah ouais, mais là, ça bouche l'entrée. Je sais pas. Je sais pas. Ok, j'ai plutôt fait comme ça pour le coup. Là, pareil, on va mettre une table de couple. Par contre, le sol, ça va pas du tout. Oh, non, ça va pas. En fait, ça rappelle trop les chaises et tout. Ça me perturbe. Oh, mais ça, c'est pas genre trop joli? C'est beau ça, j'adore! Ok, on va placer ça ici. Non, mais j'en découvre tous les jours dans mon inventaire, je jure. C'est trop beau, j'aime trop. Non, mais c'est trop joli. Je pense même qu'on aurait pu faire le toit comme ça. Non,
Écoutez, on va pas changer de toit. Mais je pense que je vais réutiliser ça dans une autre vidéo. Hein, que c'est incroyable, cette petite chose. Ok, ici, on va mettre des barrières blanches. J'espère que ça va bien se fondre avec le reste. Je vais vérifier quand même. Oula, j'arrête d'ouvrir les trappes. Ouais, ça me paraît très mignon. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc. Je suis en train de faire un bar à chats. Et il n'y a aucun espace pour les chats. Du coup, on va faire un espace pour les chats quand même. On va en faire un là et un ici. Parce que après tout... ce sont des chats. Il faut qu'ils aient de la place. On s'en fiche du reste. On s'en fiche des humains. Ce qu'on veut, c'est faire quelque chose pour les chats. Et c'était le but premier. Donc, si je fais pas un truc pour les chats, c'est quand même grave. Hein. On va mettre une petite maison ici pour les petits chats avec un petit tapis. Faudrait bien un tapis de mousse comme ça. C'est trop mignon. Fan, je suis trop fan. Non, mais c'est adorable. C'est vraiment adorable. Par contre, je crois que j'ai pas de gamelle pour les animaux. À la limite, on peut trouver quelque chose qui fait un peu gamelle, non? Ça, c'est quoi ça? Ça, ça le fait. Ça fait un peu gamelle. On va prendre ça. Ici, je mettrais bien une sorte d'arbre à chat. Ça pourrait être trop utile pour faire un arbre à chat. Mais bon, on a déjà utilisé ça pour les escaliers. Pour faire l'arbre à chat, je pense qu'on peut utiliser ça, ça. Ça peut être pas mal. Oh, on peut leur mettre un petit poussin. C'est trop mignon. J'adore. C'est trop adorable. Je sais pas combien de fois j'ai dit le mot adorable dans cette vidéo. Mais vraiment, je le pense. Faut quand même mettre des lampes, hein, que ça ait une petite ambiance. Attendez, on va les poser là. Oh, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Pourquoi j'ai mis des dalles, sans déconner? Il m'est passé quoi par la tête à ce moment-là? Mais au moins, j'étais sûre de moi hein, quand je les ai fait. Quand je les ai posés, j'étais sûre. Hein. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. No panique. C'est rien. Au moins, on a des lumières ici. Et oui, bien sûr, oui. Je sais pas. Je sais pas si c'est bien. C'est pas grave. Ici, donc, on va faire un arbre à chat. Comme ça. Oh, c'est trop chou. C'est trop chou. C'est trop mignon. C'est trop mignon, bah oui, c'est trop mignon. J'aime bien ce que tu proposes, les choupis, là. C'est plutôt sympa ce que tu proposes. Très, très mignon, ce petit arbre à chat. Entre la petite niche et le petit arbre à chat. Ok, là, on va faire une terrasse. Et pour faire cette terrasse, on va utiliser, voilà, des feuilles et tout. Faut que ça ait un petit côté naturel. Alors oui, je sais, ça fait un bloc bugué dans ma main parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, petit problème avec le pack de textures et ma version. Mais c'est pas grave, on n'y fait pas attention. Ça rend très bien quand on y pose. Et c'est très joli. Et là, pareil, on va en mettre derrière, comme ça. Ici, on va placer table et chaise. Ça manque de lecture, je trouve. Il faut des petits livres. Il faut des petits livres, je vais les mettre en bas. Comme ça, on peut servir son petit livre. Ok, c'est pas mal. On va mettre une pastèque dehors. Voilà, elle est bien la pastèque. Elle est posée, elle est très posée. Il faut que je mette, bien sûr, des portes. Parce que sinon, les chats vont s'enfuir. Hop, on va fermer ça ici. Tac. Je sais pas ce que ça rend de l'extérieur, mais ça me paraît plutôt mignon. C'est très mignon, j'aime beaucoup. Maintenant, c'est le moment où on rajoute des petits détails. Non, pas ça déjà. Pas ça. Non, pas de cette couleur. Et franchement, là, waouh. Waouh, c'est très chou. On va enlever cet arbre qui me gêne. Ok, là, je pense que c'est un peu mieux et c'est très mignon. C'est très choupinou. Oh, faut que j'arrête de dire des mots comme ça. Ça doit vous saouler, les mots kawaii, là. Mais je comprends, hein. Je suis à votre place, hein. Je crois que c'est chiant. Ouais, c'est sympa. Avec de l'anthésite, ça peut être joli, ça donne un petit effet. D'ailleurs, je sais pas pourquoi à l'intérieur, j'ai pas fait un sol un peu plus personnalisé comme je fais d'habitude. Je pense que c'était par flemme. Il y a eu un peu de ça, je pense. Ouais, là, c'est pas mal. J'ai fait une sorte de petit pattern un peu pas random, c'est pas du tout random, mais je pense que c'est un peu mieux, ça donne un peu plus de relief. Ok. Ok. Bon, je sais pas ce que vous en dites. Alors oui, on a un problème de toit, comme vous pouvez constater. Mais c'est parce que du coup, j'ai plus un chiffre pair. Mais j'ai pas le choix, malheureusement. Mais je sais pas si choquant que ça. On va aller mettre les chats.
Et ensuite, on va passer à la vraie visite. Enfin, à la vraie visite de notre bar à chats. Alors, allez-y, les cats, venez. Oh, ils sont trop choux. Je suis folle des chats. Faut vraiment le savoir. C'est mes amours. Les chats, c'est mes amours. Ok, on va pas en mettre de trop non plus, hein. On n'est pas non plus. Oh, t'es trop mignon, toi. Ok. Je sais pas si vous êtes prêts, mais on va passer à la grande visite. En tout cas, j'espère que ce petit bar à chat t'a plu, que la construction t'a plu aussi. C'était assez long de mon côté. Alors n'hésite pas à me soutenir en mettant un like et en t'abonnant, ça me ferait très plaisir. Et n'hésite pas à me proposer d'autres choses que je pourrais construire sur ma map. Bisous!